Et salut à tous, bienvenue sur Vince Popel. Aujourd'hui, épisode numéro 14. Épisode 14 où on va monter les segments sur le piston. Voilà, dans un épisode précédent de la playlist, on avait fait le jeu à la coupe des segments. D'ailleurs, je vous invite à aller voir cette vidéo. Si vous l'avez ratée, je vous la mets juste ici en fiche. Hop là. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter les segments sur le piston. Donc c'est une étape qui fait toujours un petit peu peur parce qu'il va falloir écarter les segments au risque de les casser, donc il faut avoir un petit peu de dextérité, mais bon, quand on y va avec prudence, ça le fait tout seul. Donc là c'est un piston qui est bisegment, donc on aura deux segments à mettre. Première chose, regardez sur le segment. Alors je sais pas si on va bien le voir à la caméra parce que déjà à l'œil nu c'est pas évident. En fait, vous avez une petite lettre au niveau du segment. Alors, attendez. Déjà, moi, j'arrive pas à la voir. En fait, vous avez une petite indication qui va vous permettre d'identifier le sens du segment. Ah, voilà, elle est là, mais elle est un petit peu effacée. Non, vous la verrez pas à la caméra. En fait, juste ici, vous avez une petite lettre. Donc, moi, là, c'est un R. Donc, la lettre. Et en général, sur les pièces mécaniques, quand on voit un marquage comme ça, une lettre ou un chiffre, le marquage doit toujours être visible, donc c'est-à-dire dans ce sens, dans notre sens. Donc le marquage dans votre sens, vous allez approcher comme ça le segment du piston. Et là, avec vos deux pouces, vous allez l'écarter. Alors là, si je le casse en direct, je vous dis pas, je vais me faire lyncher. Donc là, il est à peu près, vous voyez, là, il est à moitié sur la première et la deuxième gorge. Donc je commence déjà à attaquer la deuxième gorge. Donc là, il vous suffit de reprendre avec votre pouce dans le segment et de le réécarter un petit peu. Voilà. Hop. Donc là, il est passé. Donc le premier, c'est fait. Ensuite, on verra ensuite pour mettre en place dans le cylindre, il suffira de le pincer au niveau des ergots. Donc voilà pour le premier, et puis pour le deuxième, il va exactement la même chose. Pareil, on regarde où est cette fameuse marque. Donc là, voilà, c'est dans ce sens. Puis je viens approcher, hop, le segment. Je l'écarte avec mes deux doigts, mes deux pouces. Hop, et voilà, ça va tout seul. Alors moi, vous allez me dire, toi, tu as l'habitude. Effectivement, je commence un peu à avoir l'habitude. Mais n'hésitez pas à vous y reprendre à deux fois. Voilà, si vous voyez que vous avez besoin de trop écarter, arrêtez-vous, hein, parce que ça reste du métal, c'est très fin. Là, il doit faire 1 mm les segments. Donc voilà, ça peut casser très facilement. Donc si vous êtes en difficulté, arrêtez-vous, recommencez, parce que après, c'est toujours galère de retrouver des segments. Il y a plusieurs cotes, il y a beaucoup beaucoup de références dans les segments. Donc ceux qui viennent avec le piston, vous savez que c'est les bons, mais après pour en retrouver, c'est pas toujours facile. Donc voilà comment on monte des segments sur un piston. Je vous laisse, à plus, ciao.